Cette fois c'est mieux parti, ça passe entre les perches. Et ça fait donc 3-0 sur Queen Roux, l'un des nouveaux joueurs de cet effectif toulonnais. Bello, il y a un avantage en cours, le petit coup de pied à suivre, il va récupérer ce ballon. Geoffrey Doumerou hein, qui va être hors-jeu sur l'action précédente. On va revenir justement à cette pénalité alors qu'on a vu le jeu au pied par-dessus. On vous parlait d'une défense. La touche est trouvée. Les Toulonnais qui vont avoir une situation intéressante à 5 mètres de la ligne d'entrée. La troisième tentative d'Anthony Bello. Qui va passer. Pasidze qui va aller chercher Payog. Dakuwaka reste debout. Qui sort ce ballon. Merci. Pour Bello. Le jeu au pied d'Anthony Bello. Alors, ça ne sera pas un 50-22. Qui ont rentré le ballon dans leurs 50 mètres. Si j'ai bien tout compris la règle. Collier. La tentative d'Anthony Bello qui n'avait plus que 10 secondes. Et ça va passer entre les poteaux. Parissé, la Chistera pour Bello. Bello qui n'a pas de solution sur l'extérieur, qui revient de l'autre côté pour chercher ses armes. Rapidement par Luc avec Bello. Bello qui a vu un espace. Le crochet, il va chercher. De touche qui revient vers l'axe. Plaqué. Plaquage. Voilà qui est fait. Les félicitations de Maxime Petitjean, l'un des nouveaux coachs de cette équipe de Toulon. Il s'occupe du jeu au pied. Vas-y, quoi là, le 1 Arrêt du temps. 1, 2, 6, 7. Depuis ses 22 mètres, il laisse le ballon dans l'air de jeu. Grand capitaine, Bello. Bello qui croise avec Parissé. Il s'était promis, ou en tout cas dit, de ne pas dépasser les 10. Raté. La pénalité est réussie en revanche. La pénalité de Bello est réussie et elle permet à Toulon de mener 15 à 8. 7 points de retard pour les 20 quarts d'heure dans cette seconde période. Serfontaine. Attention tout de même parce que c'est dangereux dans ces circonstances. La touche est trouvée par Anthony Bello. Pour cette nouvelle pénalité, le joli coup de pied de Bello qui passe. Il avait raté sa première tentative. Depuis, il est à 100%. Petit coup de pied à suivre de Fourxembourdette. Ballon pris par Bello qui renvoie le ballon dans la moitié de terrain adverse. 8 secondes. La tentative d'Anthony Bello. Ça passe. Et à nouveau 7 points d'avance. Avec Serfontaine.